Bonjour, c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Aujourd'hui, je vous propose une promenade en forêt de Sénart. Nous y verrons le réseau hydrique de surface, à savoir les mares et les ruisseaux. Bonne découverte de cette jolie forêt de l'Essonne. La forêt de Sénart est installée sur la partie est de l'Abri. Elle fait 3220 hectares. Ce plateau est délimité par deux vallées, au nord l'Yerre et au sud la Seine. Elle est plutôt en plateau, à une altitude variant de 50 mètres à 82 mètres. Installé sur le socle calcaire de l'Île-de-France, le sol est argilo-calcaire, plutôt imperméable. Il a tendance à retenir l'eau. La couche superficielle de la forêt est une accumulation de limons divers déposés depuis 1,7 million d'années. À partir du XVIIe siècle, on aménage la forêt en créant des routes et des chemins carrossables. On crée de chaque côté de ces chemins des fossés afin de drainer l'eau des routes forestières. Ces chemins sont en permanence entretenus, ainsi que leurs fossés, qui captent l'eau et la dirigent vers de plus grands ruisseaux. Parlons tout d'abord des mares. Si l'on regarde une carte de la forêt, on remarque qu'il y a un grand nombre de mares. Je conseille aux personnes qui veulent situer dans ce documentaire les mares, les routes ou les parcelles de se munir de la carte de la forêt éditée par le département ou l'ONF notamment. On distingue à Sénart deux types de mares, les mares ordinaires et les mares singulières. On aurait compté 850 mares, mais en fait seulement la moitié sont suffisamment grandes pour les distinguer de petites dépressions. La forêt étant particulièrement humide, ce sont les communautés religieuses au Moyen-Âge qui ont jugé bon de ne pas défricher et enlever les arbres, laissant ainsi l'espace en forêt de rapport. Ici, nous voyons la mare aux biches. Les mares sont de taille variable. Bon nombre d'elles sont le résultat d'une extraction de la pierre meulière, l'argile ou les cailloutis de Sénart pour en faire des matériaux. Cette extraction est très ancienne. Cependant, certaines mares sont le résultat d'extractions récentes, comme ici la mare parcelle 64 près du carrefour de Vigneux où l'on a extrait des graviers. C'est également le cas pour la mare du carrefour du Rut. Ces deux mares ont été créées pour utiliser des matériaux de 1963 à 1967 dans le but de construire la déviation proche de la route nationale 6. En été et en automne, les mares sont souvent à sec. Elles vont se recharger durant l'hiver. On nomme mares singulières les mares qui présentent un intérêt floristique, faunistique, paysager, voire même historique. La forêt de Sénart compte un certain nombre de belles tourbières, comme ici la mare du Cormier. Ces tourbières sont situées près de la pyramide de Brunois, parcelle 132. Une tourbière est une accumulation de plantes en décomposition dans un sol gorgé d'eau durant des siècles. La décomposition se faisant mal ou lentement, les débris végétaux s'accumulent, faisant ainsi un épais tapis de tourbe. Les végétaux dans ces zones de tourbière sont plutôt aquatiques,
On y trouve des carex, des mousses, des sphaignes qui rendent le sol spongieux. À proximité de cette tourbière, on trouve aussi des bruyères, qui sont plutôt un indicateur d'un sol acide. Autour des tourbières, la végétation arbustive est plutôt composée de saules, d'osiers, d'aulnes ou de nerprins. Le rôle principal des mares est de conserver l'eau des précipitations hivernales, qui va progressivement s'infiltrer dans le sol pour remplir la nappe phréatique souterraine. Les mares ont parfois des noms définis, comme ici la tourbière à Jean-François. L'accumulation de l'eau doit cependant être drainée. Et c'est le rôle des ruisseaux qui limite les sols gorgés en évacuant l'eau excessive. Nous allons voir successivement les rues suivantes. Le Rudoli qui monte vers le nord-ouest. Le fossé Daniel qui va vers le nord-est. Le rue Madereau qui descend vers le sud. Le rue Madereau Nord qui draine le nord de la forêt. Et enfin, le rue des Auldres au sud. Le secteur de la maison forestière de la Souche, parcelles 88 et 89, est considéré comme le château d'eau de la forêt. Le Rudoli part d'une mare près de la maison forestière et file vers le nord-ouest. Cette mare a probablement une résurgence dans le sol, car elle est rarement à sec. L'eau étant plus présente en hiver et au printemps, la plupart de ces images ou vidéos ont été prises durant ces saisons. Nous sommes en effet dans une région où les précipitations sont bonnes et abondantes en hiver et au printemps. C'est au XVIIe et au XVIIIe siècle que l'on a pris conscience de la nécessité de canaliser au mieux l'eau de la forêt. En drainant la forêt grâce à des canaux tels que le Rudoli, on en réalise ainsi l'assainissement. Il s'est ainsi établi un maillage complexe de ruisseaux et de petits drains dirigeant l'eau vers les ruisseaux principaux. Des aménagements comme les ponts, des buses sous les chemins permettent la fluidité de l'eau de ruissellement. Le Rudoli passe à proximité de certaines mares, comme ici la mare aux Biches, parcelle 41. Puis le Rudoli continue son chemin vers les communes de Montgeron et Vigneux. Le Rudoli, qui est important dans le drainage du nord-est de la forêt, passe ici, près de l'Aulnay-Guittet. Puis, descendant dans les parcelles pentues du Clos Régal, il atteint une zone de rétention des eaux pour restreindre les crues, en limite de forêt. Victime de l'urbanisation, il devient canalisé jusqu'à la zone commerciale du Val d'Oly, puis va se jeter dans l'Yerre, vers Vigneux-Montgeron. Le drain suivant dont nous allons parler est le fossé Daniel. Ce fossé part également de la mare près de la maison forestière de la Souche, mais dans le sens inverse du Rudoli. Il est assez modeste et va passer sous les deux routes forestières, celle de Sénart, puis sous la route forestière diagonale. Puis il draine les taillis sous futaies de la parcelle 116. Des aménagements pour les pistes cyclables l'enjambent vers le carrefour Napoléon. Une belle végétation dont des iris l'envahissent parfois dès le printemps.
parcelle 133, on a installé une canalisation pour permettre au ruisseau de passer sous la RN6. Il continue sa route, ensuite direction nord-est, vers la route forestière des Moines. Puis le fossé va servir de limite aux communes de Brunois et d'Épinay-sous-Sénart. Nous sommes ici dans le secteur des Beaucerons, qui jadis était un village isolé, proche de la forêt. On passe ensuite dans d'importants taillis de charme. Cette zone a été particulièrement touchée par la tempête de 1999. Aussi, les grands arbres se font un peu plus rares. Puis le fossé Daniel va quitter la forêt. Ici, autrefois, il remplissait un bassin, aujourd'hui disparu. Après être passé canalisé sous la résidence Talma de Brunois, il va se jeter dans l'Yerre. Nous allons maintenant évoquer un rue qui circule vers le sud de la forêt, le rue Madereau. Comme les rues précédentes, il part de la maison forestière de la Souche pour se diriger par celle 90-91 vers le carrefour d'Orléans. La mare de la Souche est donc également génératrice de ce troisième ruisseau. Jusqu'à la Révolution, la forêt de Sénart avait de nombreux propriétaires, seigneurs, congrégations religieuses ou abbayes. Elle était sous l'autorité de gruyers, des officiers royaux, des eaux et forêts, qui étaient chargés de gérer la vente du bois, surveiller le gibier et aussi faire la police forestière. Parcelle 97, le rue Madereau passe à proximité d'une mare, proche du carrefour de la Marocaine. Il longe la route forestière du Beauchêne, parcelle 97. L'aménagement des passages sous les routes est sans cesse entretenu par l'ONF pour faciliter la fluidité de l'écoulement des ruisseaux. Le rue Madereau va ensuite passer à proximité de la faisanderie de Sénart. Le terme de faisanderie vient de l'élevage de faisans qui y fut installé à l'époque. Cela nous rappelle que la forêt fut depuis le Moyen-Âge un des grands domaines de chasse royale. Ces bâtiments furent commandés et édifiés sous Louis XVI par le comte de Provence, frère du roi et futur Louis XVIII. La faisanderie de Sénart fut longtemps utilisée par l'ONF comme centre d'information et d'animation pédagogique sur la forêt. Parcelle 101, le rue Madereau alimente la mare aux baigneuses. Par manque de chance, il n'y en a pas en hiver. Il franchit la route forestière de Quincy, et ce, après un passage dans la mare aux crapauds. Il longe les clôtures du centre informatique de la Société Générale. Il se jette dans le rue des Auldres, près de la RD 33, dans la dépression où un radar a été installé. Parlons maintenant du rue Madereau Nord. La carte nous montre un rue qui file vers le nord, en direction de Montgeron. Il part également de la maison forestière de la Souche, parcelle 89. Là est situé un centre important de coupe et de tri de bois de chauffage vendu aux particuliers. Le rue Madereau Nord est en fait un drain d'équilibrage des eaux. Il s'appelait autrefois le rue de la Navette. Le sol du secteur étant assez plat, ce rue capte les eaux du nord de la forêt pour les diriger vers le Madereau Sud. Le rue est maintenant stoppé
parcelle 109, alors qu'il approche de la Nationale 6. Jadis, il se dirigeait entre Montgeron et Hyères vers la plaine de Chalandray pour se jeter dans l'Hyères. Il nous reste à reconnaître le Rue des Auldres. Ce rue nous vient du plateau de Réau, proche, en Seine-et-Marne. Après être passé successivement à Limoges-Fourches, Réau, Moissy-Cramayel et Lieusaint, il entre dans la forêt Sénart du côté du pont Bourrette et de l'allée royale à Tigerie. Il passe dans les bois La Brune, où il borde la forêt dans sa partie externe sud. Le rue des Auldres draine les eaux de la partie située à l'est de la RN6. Ici, le rue des Auldres coule avec une certaine vigueur et donc a creusé un lit dans un sol léger de limon, de sable et d'argile. Une brèche dans la forêt par la partie urbaine de Tigerie est traversée par le rue. Après le pont de Sénart, il entre dans une aire de détente aménagée par la commune. Un petit lac généré par une retenue permet aux promeneurs et aux randonneurs de passer de bons moments avec des oiseaux bien paisibles à contempler. Il passe en dessous de la départementale 33 qui nous amène à Corbeil et il longe le centre informatique de la Société Générale où il a reçu le rue Madereau. Puis il arrive au pont au Pourceau, toujours en limite sud de la forêt, bordé par le golfe de Saint-Germain-les-Corbeil. Le rue des Auldres va terminer sa course dans la commune d'Étiolles, commune qui possède le plus de surface de la forêt avec 741 hectares. Il amorce vers le bois au cerf une descente car cette partie de la forêt est en pente vers la vallée de la Seine. Après avoir dévalé la pente, dans les propriétés privées à Étiolles, le rue des Aulnes traverse la Nationale 448, appelée ici Avenue de la Fontaine-Soulier. Il entre ensuite dans le domaine départemental du Coudray, lieu de fouilles archéologiques. Le rue des Aulnes se jette dans la Seine à cet endroit. Il se jette face à une île, l'île aux Paveurs en face. C'est probablement une île créée par les nombreux sédiments apportés par le rue depuis des millions d'années. Voilà en quelques images le portrait hydrique de la forêt de Sénart. Pas de véritable forêt sans eau. Notre région est assez bien arrosée avec environ 600 mm d'eau de précipitation annuelle. Les arbres ont une grande capacité pour extraire l'eau qui s'est accumulée dans l'hiver. Pour information, le chêne représente 70% des arbres de la forêt. On y rencontre, loin derrière, des pins lariciaux, des bouleaux, des érables, etc. Pour faire de beaux arbres, il faut environ un apport de 10 mètres cubes par hectare. Heureusement, les mares et les ruisseaux sont de bons réservoirs. La forêt de Sénart est un bon producteur de bois. Ce bois coupé sera vendu par l'ONF. J'espère que ce petit documentaire sur l'eau dans la forêt de Sénart vous a été agréable et vous incitera à parcourir cette belle forêt. Vous pourrez y cueillir muguets, champignons, etc., mais avec modération. À bientôt pour une nouvelle promenade au bord de l'eau. Et si ce film vous a plu sur YouTube, merci de laisser un petit like. Au revoir. Thank you.